Jour irrésistiblement achève sa course. Des cœurs de grillons entonnent leur chant, et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu. Tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires Révèle la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des sons. Bien le bonsoir Twitch et bienvenue pour une nouvelle édition du live lecture, les live lectures qui reviennent après les délicieuses vacances qui étaient nécessaires à votre serviteur qui n'en pouvait plus, qui n'avait plus d'énergie, mais qui maintenant est là, est de retour, est beau, est frais, est complètement reposé à la pêche malgré un live JDR du lundi qui était particulièrement chargé et particulièrement bordélique. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible dès maintenant en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'aube des songes. Euh, vous allez simplement sur YouTube, vous marquez l'aube des songes, vous allez retrouver pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Abonnez-vous, réabonnez-vous. Et n'hésitez pas non plus, je vais vous mettre le lien d'ici quelques instants, à faire de même sur la chaîne Odyssée. Je vous rappelle que je suis en train petit à petit de préparer une chaîne de secours sur Odyssée. Donc. N'hésitez pas à aller vous abonner de ce côté-là aussi. Bonsoir les gens du clavardage, bonsoir. Qui avons-nous déjà Nous avons évidemment Ravlin. Bonsoir Ravlin, nous avons Nespadon qui est déjà présent, Iskaras33. Bienvenue à vous tous. Bienvenue aux gens qui sont peut-être là pour la première fois. Et je dois des remerciements puisque, comme d'habitude, les gens euh, viennent suivre la chaîne pendant les émissions, c'est vrai, mais ils viennent aussi parfois hors des émissions. C'est le cas de Selene on the Moon qui nous a rejoint euh, entre deux émissions. Merci beaucoup Selene et euh, ben, au plaisir de te retrouver en direct. Une une prochaine fois ou peut-être ce soir si tu fais partie du public silencieux. Chers amis, nous reprenons les live lectures, ce qui veut dire que nous reprenons avec la suite du conte de Monte-Cristo. Suite pelote DB bonsoir qui dit bonsoir, t'es prêt, tricot prêt, chat prêt, ça promet pour la soirée. Je vous avertis chers amis que le live de ce soir sera court. Eh mais bah, euh, attends, non Non Et pourquoi Attends, non attends ah, non, non Non non. Tu pars en vacances pendant deux semaines, tu reviens, tu fais des lives longs, tu fais des lives de 3h, 4h, 5h s'il le faut, mais tu restes. Non, non, chers amis, non. Déjà, calmez-vous. Je vous sens beaucoup trop tendu. Détendez-vous. Quoi C'est du honte Révolte, Révolte, Révolte Exactement, détendez-vous. Tout va bien se passer. Inspirez, expirez. Inspirez, restez calme. Tout va bien se passer. Je suis contraint de faire une coupure, chers amis, parce que si je faisais deux chapitres ce soir, je n'aurais pas eu les 30 pages habituelles que je vous lis, j'en aurais eu le double. Alors, commencer la saison par un live de 4 heures Quand je commence à 21 heures, la réponse est non. Le jeudi, le live fait 2 heures, au plus long. Et parfois, il peut être plus court. Ce soir, il sera donc un peu plus court. Je vous préviens d'avance, on prendra le temps de discuter un petit peu plus que d'habitude au début. Mais il y aura un peu moins de lecture. Et si on n'arrive pas tout à fait à une trentaine de pages, j'arrive pas à estimer exactement la longueur, mais on sera peut-être à 1h20, peut-être plus proche d'une heure de lecture, comparé à l'heure et demie, 1 h quarts qu'on fait d'habitude. C'est pour la simple et bonne raison que si je coupais à une proportion égale à d'habitude, eh ben, ça n'aurait eu aucun sens. Donc, j'ai fait une coupe thématique pour que ça fasse un épisode complet, qui se tienne, que vous pourrez suivre la semaine prochaine euh, avec un précédemment digne de ce nom, mais, 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 il <laughs> n'y a pas moyen, si je coupais au milieu, ça aurait fait une coupe de bouchée, ça aurait été dégueulasse. Donc, j'ai préféré faire les choses bien et ça voulait dire que pour ce soir, eh bien, oui, pour une fois, nous aurons un live qui sera un peu plus court, ça vous fera les pieds Ça vous fera les pieds <laughs> avec le nombre de cafés des fables où je dis, allez, aujourd'hui je finis à 13h ou plus tard et où je reste jusqu'à 14h30, voir les rediffusions de ce qui s'est passé avant les vacances, voir même quand j'enregistre deux rediffusions à l'avance avec par exemple, je ne sais pas, le café des fables sur la ferme des animaux 2 et 3, au bout d'un moment, chers amis, de temps en temps, votre serviteur voudrait faire des lives qui durent un peu moins de 6h. Voilà. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que euh, seule solution commencer que, pas du jeu de rôle dans votre live jeu de rôle hein mmh eh oh absolument Radio Cobra nous avons prévu et d'ailleurs bonsoir Radio Cobra nous avons prévu d'avoir du live jeu de rôle du jeu de rôle dans le live jeu de rôle c'est pour ça que pour le live jeu de rôle rendez-vous lundi prochain euh, lundi prochain ce sera d'ailleurs qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux vous dire pour lundi prochain mmh mais lundi prochain Lundi prochain, vous allez aimer, chers amis, puisque nous serons avec Livia Kazou et le fabuleux Alexis en S pour une partie de Paranoia. <laughs> Trois joueurs habitués de Paranoia dans un monde qui est fou. Et j'ai décalé d'une semaine. Si vous êtes amateur de Paranoia, tant mieux, puisque euh, dans non pas... Euh, une mais deux semaines, nous aurons de nouveau une partie de paranoïa avec Pierre qui sera là. Euh, et là, le scénario est déjà tout écrit. Je suis déjà en train de travailler sur les miniatures. C'est vous dire si je suis inspiré. Bien, alors, pouf, 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 pouf. Seule solution commencer, les lives à 17h. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mmh, 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 mmh. Alors, je suis ravi de savoir que Nespadon a décidé de vous rediriger tous vers le Tipeee, vers le délicieux Tipeee où euh, eh Nespadon a décidé et s'est engagé, je viens de le lire maintenant, à euh, me verser l'équivalent d'un SMIC complet pour que je fasse des lives qui commencent à 17h et qui finissent à la même heure que d'habitude, c'est-à-dire à 21h, 23h, minuit, enfin voilà. Euh, euh, je suis ravi, Nespadon, de savoir que grâce à toi, je suis devenu indépendant. Merci, félicitations. <laughs> non, concrètement, on va reprendre les mêmes heures que d'habitude. Euh, mais cela dit... Cela dit, cela dit, je le rappelle pour ceux qui seraient là pour la première fois ce soir, si vous voulez euh, soutenir mon travail et vous trouvez que ce dernier mérite un salaire, eh bien, direction le Tipeee. Euh, Twitch, c'est pas mal, mais Tipeee, c'est mieux. Pourquoi Parce que déjà, il ponctionne moins sur les dons que vous faites, et d'autre part, parce qu'au bout d'une certaine somme, l'équivalent à peu près d'un café par semaine, vous recevez tous les dimanches à midi une histoire originale écrite par ma main. Et ça, tous les dimanches, y compris pendant les vacances. Voilà. Donc là, pour la peine, euh, n'est-ce pas donc exact avec une clause dès que je gagne assez pour euh... <laughs> évite de souhaiter n'importe quoi petit <laughs> voilà alors alors c'est euh, le bébé qui dit je, je vois pas ce que tu veux dire à propos des longs cafés des fables oui 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 alors qu'est ce que ça dit euh, mais est-ce que c'est notre faute si tu es manipulable le samedi matin euh... je suis je préfère dire que je suis généreux le samedi matin <laughs> Il faut dire aussi que le samedi matin où je laisse un peu de rab, c'est que j'ai du temps à ce moment-là. Euh, je vous préviens d'ailleurs, chers amis, que je ferai à l'occasion une petite vidéo sur la chaîne YouTube euh, qui mettra tout ça au clair. Mais concrètement, ces prochains mois, je risque d'être bien moins généreux que je l'ai été avant les vacances euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que, que je me ménage un peu. Parce que, deuxième point, il y a énormément d'événements. Euh, épais et coûteux en temps et en énergie qui sont en cours de préparation. Je peux déjà vous dire qu'il y a un live d'Halloween qui est en cours de préparation. Je ne vous dis pas en quoi il consiste exactement, mais, mais il demande une préparation de dingue. Donc, ça, ça compte déjà. D'autre part, il y a tous les projets habituels. À savoir le bouquin dont je vous parle depuis plusieurs mois qui va arriver bientôt à la phase proposition à des maisons d'édition. Il y a bien sûr le doublage, le délicieux doublage qui continue. Euh, et puis, et puis et puis autre chose que j'oublie, bien sûr, oui, les deux pièces. D'ailleurs, si vous voulez venir voir l'une des deux, les mystères de Moustachio le Magnifique, il y a des dates ce samedi. Ce samedi, euh, l'après-midi, euh, à la guinguette du cabaret Los Amuales à Scarbeck, tout près de l'arrêt de métro Diamant. Euh, N'hésitez pas à passer dans le coin l'après-midi ce samedi, euh, si vous voulez nous voir c'est une petite pièce d'une vingtaine de minutes, on la joue plusieurs fois et euh, on l'a déjà joué ce mercredi à Wavre, c'était un peu plaisir c'était hier, c'était hier et euh, là pour la peine on a eu un très très chouette succès le contact avec les gens était fantastique donc n'hésitez pas à venir en personne et en plus de tout ça <laughs> la reprise la tenue des lives et des, et des rediffusions bien sûr et et au mois de novembre, il y aura la prochaine campagne de jeux de rôle. Et celle-là, chers amis, je l'attends depuis plusieurs mois. Et nous avons des projets, nous avons une vision, nous proposons des choses pour cette future campagne de jeux de rôle. Ça promet d'être extrêmement lourd hein, en termes de rendu, et ça risque, enfin, c'est certain, ça va nous prendre un temps assez fou à préparer. Donc, donc, chers amis, ça veut dire que, plusieurs choses, déjà, le samedi, je pense que je serai autrement moins généreux, c'est-à-dire que je me tiendrai vraiment à l'heure maximale, dernier délai, euh, et puis, ça veut dire surtout que, sur la chaîne YouTube, je mettrai, enfin, je vais essayer de mettre en place les derniers cafés des Fables, les derniers euh, Comptes du Zénith, pardon, que j'ai pas encore fini de monter, mais, après ça, je ne mettrai plus que des rediffusions aussi, parce que parallèlement à tout ce que je viens de vous décrire ici, j'essaye, comme dit en préambule, de nourrir la chaîne Odyssée pour que la chaîne de secours soit complète le plus tôt possible. Euh, J'aimerais que ce soit fait avant l'anniversaire euh, de l'Aube des Sons, c'est-à-dire aux alentours du 15 janvier, si ma mémoire est bonne. J'aimerais que cette chaîne Odyssée soit disponible et à jour, ce qui va demander un temps assez considérable. Bref. Vous l'aurez compris, il y aura un peu moins à manger en termes d'émissions de, de, montées et de temps de rab, mais les émissions habituelles se feront. Et puis, il y a ces gros événements qui arrivent et qui promettent d'être euh, qualitatifs, je le souhaite. D'autant que euh, si tout se passe bien, avec tout ça, je vais encore réussir à faire un coucou à Bavard euh, pour le prochain Armadédon. Mais ça, je vous en parlerai euh, quand ce sera le moment d'en causer. Voilà. Sur ce, est-ce que j'ai fait la promotion de tout Est-ce que tout le monde a reçu sa dose de pub Est-ce que tout le monde sait ce qui se passe Est-ce que tout le monde euh, est à jour vis-à-vis -vis des différentes dates, des différents projets, euh, des différentes préparations, etc. Ah, pif, pif pouf pif, pouf. Ah, 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 ah. <laughs> Jeter un oreiller à la corneille. C'est le lecteur qui est nerveux surtout. Je vois pas de quoi tu parles Non, ça va, tout va bien. En vrai, tout baigne. Euh, pour cette pelote DB, la publicité est excellente. Pour N'est-ce pas, donc, on est bon. Euh, voilà. Ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Euh, petite reprise, d'ailleurs, je vois. Euh, bon, j'imagine que certains n'ont peut-être pas eu le message. En attendant, où est-ce qu'on en est euh, donc, on a commencé le direct depuis, 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 depuis un petit quart d'heure maintenant. Bah, ben, je vais faire peut-être un tour de clavardage pour savoir si vous avez des choses à dire avant que l'on commence. Euh, mais si ça n'est pas le cas, nous commencerons. Et sinon, cinq minutes de battement, plus ou moins. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tout est clair comme du cristal, comme de l'eau de roche. Très bien. Vous m'envoyez ravi. Les pubs pour le Discord tournent, ça tout baigne. Euh, Est-ce que le message a été envoyé sur le Discord avec les annonces, etc. Oui, ça a été fait. Voilà, voilà, voilà. Ah Non, j'ai fait un truc que je voulais pas. Au secours Au secours Voilà. Oh Mais bon, mais qui voilà mais qui voilà? Bonsoir, monsieur Stories. Comment ça va, bavard? Ça fait plaisir de te voir. Et d'ailleurs, mon cher bavard, on n'est plus en stream. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus du tout où tu en es. Euh, N'est-ce pas donc? J'ai rien à dire. J'attends la livraison de la bouffe posée dans mon lit. N'est-ce pas donc qui a tout compris? N'est-ce pas donc qui voit le live lecture commencer? Qui fait vite, vite, mon lit, la nourriture et. Alors, euh, ça roule en stage toute la semaine. Voilà, c'est ça. Bah écoute, ça se passe bien ton stage, euh, beurre Qui reprend le 6 ou 7 septembre. Bah voilà, ben voilà, ben voilà, ben voilà. D'ailleurs Bavard, vu que tu es là, euh, je, je me demandais, je l'ai évoqué rapidement avec les gens, euh, j'ai un peu fait de la promotion pour les différents événements qui allaient avoir d'ici à la fin de l'année, donc avec le direct d'Halloween, avec la campagne de Patient 13 qui aura lieu en novembre, et je me suis rappelé en cours de, de publicité, mais attends voir, on n'est pas supposé avoir un armadédon euh, dans le courant de cette saison-là Si oui, c'est quand Déjà, j'ai un affreux doute. Alors Raveline, l'aube a un paquet 3 mètres de ma... C'est vrai Oui C'est vrai, bavard, j'ai euh, un colis à te passer, je dois faire le postier. Voilà, voilà. Ça se passe bien, il faudrait que je pense à faire signer une décharge aux parents. Comme quoi, je peux frapper les 10 enfants. Non Non Non, 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 non. Ah bah oui, il te faut ce colis Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je présume de ce qu'il y a dedans au vu de, de, de celui que j'ai reçu de la part de Raveline, et si c'est similaire ou euh, la même chose que j'ai reçu, tu veux ce qu'il y a dedans. Je t'assure, tu veux ce qu'il y a dedans. Euh, Suite le arrive au bout de sa semaine de rentrée des classes. Ah c'est vrai qu'il y a des professeurs dans le clavardage. Euh, tout roule, tout se passe bien, les élèves sont revenus ouf Bon, ça veut dire que tout se passe bien en termes de préparation. J'en suis absolument ravi. Ah mais oui, mais c'est la reprise. C'est la reprise cette semaine. Pour l'école et les enfants, tout ça. Voilà, voilà. Des fois, il faut un petit moment pour que la pièce tombe, mais c'est ça. Euh, 27 novembre. Attends, ah, c'est quand le 27 novembre euh... <laughs> Ah, ok. <laughs> je le savais. Je le savais. <laughs> D'où Jésus, je le savais. Donc, concrètement, il y aura Arma des dons dimanche et lundi. Avant-dernier scénario de la campagne. Au secours. Oh la vache. Euh. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit Debout depuis 5 heures ce matin, Ravlin, purée, quel courage, quelle bravoure. N'est-ce pas donc, moi, mes trois vice-proviseurs ont été mutés en même temps Les nouveaux ne sont pas là, la rentrée est mercredi. Pouah, n'est-ce pas donc, il y a des prolongations de vacances absolument indigentes et indues, fantastique tu vas mûrir, mais ce sera rigolo. <laughs> je pense surtout que le 30 novembre, je vais prendre un jour de congé. Tu vois, <laughs> en fait, juste pour être sûr de bétonner un jour de repos, parce que sinon, je ne vais pas tenir la semaine d'après. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas ça qui me fout la trouille. Enfin, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est pas tant d'avoir une semaine, de faire la des ça va. D'avoir un tout petit dimanche après, ça va. Refaire le lundi après euh, pour reprendre la campagne de du de, 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 de jeu de rôle, ça va! Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut ensuite assurer toute une semaine avec tous les autres. 30 novembre, je note. 30 novembre, tu dors! Là! Alors, pif, puf, puf. Euh... Ça dialogue dans le clavardage, ça discute, tout baigne, fantastique. Bien, chers amis, il va être temps de reprendre nos aventures avec le fabuleux, le merveilleux Edmond d'Antès. Pour les personnes qui seraient là pour la première fois ce soir ou qui découvriraient... Euh... Eh bien les live lectures avec cette rediffusion. Dans le compte de mon... Mmh, Auriez-vous par hasard projeté d'avoir de, de la lecture dans votre live lecture. Hein Hein mmh Et eh hop. Oh. J'allais y venir. J'avais commencé. <laughs> de cobra, c'était pas moi. Bon, Levé à 5 bien. Oui c'est bien de se cacher pour dormir de temps en temps. Bientôt je me fais tatouer la phrase euh, ⁇ Requiesces cum fatigabilis Tu te reposeras quand tu seras fatigué. Hmm c'est une bonne phrase. Et ça me rappelle qu'on en avait parlé je... et moi je sais pourquoi. <laughs> Bref. Donc... Je refais un topo rapide de l'histoire. Puis... Pour ceux qui découvrent pour la première fois, nous aurons le précédemment qui, comme dans une série, vous remet dans l'ambiance en à peu près une minute, le générique, et ensuite on commence la lecture comme de coutume. Nous suivons dans le conte de Monte Cristo les aventures de Edmond Dantès qui devait se marier à la belle et douce. Attention, quiz dans le clavardage. Les gens se rappellent-ils du nom de l'amoureuse 5, 4, 3, 2, 1. Mercedes, bien joué Ravlin, globation pour la reposer de la lecture et rappeler à l'homme de, re de retirer le zone de notif. T'inquiète pas, je l'enleverai. <laughs> L'amborghini. Monsieur Spadon. Monsieur Spadon. Tu te lèves, tu vas, tu vas au coin. Tu vas au coin là-bas. Zéro pointé, vous me passerez votre carnet de correspondance. N'importe quoi. Sur ce, en avant, à fond Edmond dans les fesses d'un... <laughs> Bavard. Tu te lèves, tu vas, tu vas au coin. Tu vas au coin là-bas. Et pas dans le même que Nespadon, je vous vois discuter tous les deux. Sans blague. Bien. Donc, nous suivons les aventures de Edmond Dantès, qui est amoureux de la belle Mercedes et à qui il devait se marier. À ce moment-là, il devait même être nommé capitaine d'un navire nommé le Pharaon, qui appartenait à un certain monsieur Morel. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Pourquoi Parce qu'il y a trois affreux Jojo, à savoir euh, Danglars, Fernand et, 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 et Caderousse qui avait comploté un tout soit peu. J'oublie quelqu'un. Si, si, s'il fait. Il y aura deux villeforts. Il y a deux Bien sûr. Donc. Ces trois affreux Jojo, à savoir Danglars, Fernand et De Villefort, euh, vont se retrouver à mener un complot contre lui. Danglars, parce qu'il veut mettre euh, ce cher Edmond en zonze, parce qu'il aurait voulu devenir capitaine du pharaon à la place du capitaine du pharaon, et que si euh, Dantès va en zonze, c'est lui qui le deviendra. Fernand, parce qu'il est amoureux de la belle Mercedes, et que si Maria il entre Mercedes et ce cher Edmond, eh bien, il ne pourra pas l'épouser lui-même. Donc, il a tout intérêt à ce que Edmond aille en Zonze. Et puis, et puis au moment où les gendarmes amènent euh, Edmond devant De Villefort, ce dernier découvre qu'il a des papiers compromettant son propre père. À partir de là, De Villefort, essayant de préserver son père le plus qu'il le peut, décide... Euh, de se lier aux deux autres forbans et d'envoyer Edmond Dantès en zonzon. Edmond passe plusieurs années en prison. Il rencontre là-bas un prêtre italien, l'abbé Faria, qui va lui apprendre euh, qui, à peu près tout, qui va lui faire son éducation, une éducation digne d'une université romaine. Et, 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 à la fin des fins, il va réussir Edmond à s'enfuir. Euh, de du château d'if dans lequel il était enfermé aïe, aïe, aïe c'est vraiment l'a reprise hélas l'abbé faria mourra dans le processus mais ça permettra euh, par le processus d'inhumation euh, ça permettra à edmond dantès de s'enfuir en se faisant passer pour le cadavre de son ami euh, faria il sera jeté dans la mer finira par se libérer se fera passer pour un contrebandier et arrivera sur l'île de Monte Cristo où, grâce à Faria, il a appris que se trouvait un gigantesque trésor. Euh, de retour sur le continent et de l'argent plein des poches, il essaye de savoir ce qui s'est passé pendant qu'il était en prison. Il apprend de très mauvaises nouvelles, à savoir un ami un peu un peu gris dans son alignement, mais finalement plutôt un ami nommé Cadorus, a fait complètement faillite et contre euh, quelque argent et pour lui rendre service, il va lui apprendre entre autres que Fernand et Mercedes sont désormais mariés, que Mercedes est la mère du premier enfant de Fernand, que Fernand a reçu des gloires militaires, que c'est aujourd'hui un homme qui vit extrêmement bien et qu'il en est à peu près de même pour Danglars, qui lui n'est pas devenu militaire mais est devenu un homme d'affaires riche à foison. Bref, ses pires ennemis s'en sortent plutôt bien. Euh, L'amour de sa vie est marié à son rival. Ça va plutôt mal dans la vie d'Edmond Dantès. Accessoirement, il apprend que son euh, père est mort de chagrin quelques semaines après qu'il euh, qu fut enfermé. Et accessoirement, son ancien patron, M. Morel, est dans la mouise en termes d'affaires jusqu'au bout. Il va à ce moment-là monter un plan, euh, recréer le navire le Pharaon qui avait été... Détruit dans une tempête et va sauver son ancien patron de la faillite. Une fois cela fait, nous perdons la trace d'Edmond Dantès et nous le retrouvons au travers des yeux d'un autre héros nommé Franz, que nous allons suivre encore dans cet épisode-ci ainsi que dans le suivant, qui va le rencontrer en allant sur l'île sur de Monte Cristo, où il sera invité par Edmond Dantès euh, à partager un repas avec lui. Simplement, Edmond Dantès, nous l'apprenons, se fait désormais nommer Simbad le marin, euh, vit avec de riches décorations et fait tout pour se faire passer pour un héros des mille et une nuits. Mais nous ignorons depuis ce qu'il prépare, ce qu'il fomente. Nous savons qu'il a le... dans l'optique de revenir sur Paris, mais, 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 quand, quoi, comment C'est probablement ce que nous allons apprendre dans la suite de ses aventures dans le conte de Monte Cristo. Tome numéro 2. Et maintenant, si vous le voulez bien, l'aube des songes commence. Précédemment, dans le conte de Monte Cristo, si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. Et demandantes, au nom de la loi, je vous arrête. Je demande quel crime j'ai commis. Dieu vous a infiltré dans le corps un sentiment qui n'y était point. La Ses Sésame, ouvre-toi. Après neuf jours de désespoir et d'abstinence, le vieillard expira en maudissant ce qui avait causé son malheur et disant à Mercedes, Si vous revoyez mon Edmund, dites-lui que je meurs en le bénissant. Vous croyez qu'il est mort de faim, monsieur. Si l'on est heureux avec une grande fortune, Danglars est heureux. Et Fernand, il possède un hôtel magnifique à Paris, rue du Helder, numéro 27. Et revites-vous, Mercedes Oui. Elle faisait alors l'éducation de son fils. De son fils Monsieur Morel, le pharaon entre dans le port. Adieu bonté, humanité. Reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la providence pour récompenser les bons. Que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. Qui est-il donc Lorsqu'on le lui demande, il répond qu'il se nomme Simbad le Marin. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton. Lorsque Franz revint à lui, les objets extérieurs semblaient une seconde partie de son rêve. Il se crut dans un sépulcre où pénétrait à peine, comme un regard de pitié, un rayon de soleil. Il étendit la main et sentit de la pierre. Il se mit sur son séant, il était couché dans son burnous sur un lit de bruyère sèche, fort doux et fort odoriférant. Toute vision avait disparu et, comme si les statues n'eussent été que des ombres sorties de leurs tombeaux pendant son rêve, elles s'étaient enfuies à son réveil. Il fit quelques pas vers le point d'où venait le jour. À toute l'agitation du songe succédait le calme de la réalité. Il se vit dans une grotte. S'avança du côté de l'ouverture et, à travers la porte cintrée, aperçut un ciel bleu et une mer d'azur. L'air et l'eau resplendissaient aux rayons du soleil du matin. Sur le rivage, les matelots étaient assis causant et riant. À dix pas en mer, la barque se balançait gracieusement sur son ancre. Alors, il savoura quelque temps cette brise fraîche qui lui passait sur le front. Il écouta le bruit affaibli de la vague qui se mouvait sur le bord et laissait sur les roches une dentelle d'écume blanche comme de l'argent. Il se laissa aller sans réfléchir, sans penser à ce charme divin qu'il y a dans les choses de la nature, surtout lorsqu'on sort d'un rêve fantastique. Puis, peu à peu, cette vie du dehors, si calme, si pure, si grande, lui rappela l'invraisemblance de son sommeil, et les souvenirs commencèrent à rentrer dans sa mémoire. Il se souvint de son arrivée dans l'île, de sa présentation à un chef de contrebandier, d'un palais souterrain plein de splendeur, d'un souper excellent et d'une cuillerée de hachiches. Seulement. En face de cette réalité de plein jour, il lui semblait qu'il y avait au moins un an que toutes ces choses s'étaient passées, tant le rêve qu'il avait fait était vivant dans sa pensée et prenait d'importance dans son esprit. Aussi, de temps en temps, son imagination faisait asseoir au milieu des matelots, ou traverser un rocher, ou se balancer sur la barque une de ces ombres qui avaient étoilé sa nuit de leurs baisers. Du reste, il avait la tête parfaitement libre et le corps parfaitement reposé, aucune lourdeur dans le cerveau, mais au contraire, un certain bien-être général, une faculté d'absorber l'air et le soleil plus grande que jamais. Il s'approcha donc gaiement de ses matelots. Dès qu'ils le revirent, ils se levèrent, et le patron s'approcha de lui. Le seigneur Simbad, lui dit-il, nous a chargé de tous ses compliments pour votre excellence, et nous a dit de lui exprimer le regret qu'il a de ne pouvoir prendre congé d'elle. Mais il espère que vous l'excuserez quand vous saurez qu'une affaire très pressante l'appelle à Malaga. Ah, euh, ça, mon cher Gaetano, dit Franz. Tout cela est donc véritablement une réalité. Il existe un homme qui m'a reçu dans cette île, qui m'y a donné une hospitalité royale et qui est parti pendant mon sommeil. Il existe si bien que voilà son petit yacht qui s'éloigne, toute voile dehors, et que, si vous voulez prendre votre lunette d'approche, vous reconnaîtrez, selon toute probabilité, votre hôte au milieu de son équipage. Et en disant ces paroles, Gaetano étendait le bras dans la direction d'un petit bâtiment qui faisait voile vers la pointe méridionale de la Corse. Franz tira sa lunette, la mit à son point de vue et la dirigea vers l'endroit indiqué. Gaetano ne se trompait pas. Sur l'arrière du bâtiment, le mystérieux étranger se tenait debout. Tourné de son côté et tenant comme lui une lunette à la main. Il avait en tout point le costume sous lequel il était apparu la veille à son convive et agitait son mouchoir en signe d'adieu. Franz lui rendit son salut en tirant à son tour son mouchoir et en l'agitant comme il agitait le sien. Au bout d'une seconde, un léger nuage de fumée se dessina à la poupe du bâtiment, se détacha gracieusement de l'arrière et monta lentement vers le ciel, puis une faible détonation arriva jusqu'à Franz. Attenez, entendez-vous dit Gaetano. Le voilà qui vous dit adieu. Le jeune homme prit sa carabine et la déchargea en l'air. Mais sans espérance que le bruit pût franchir la distance qui séparait le yacht de la côte. Qu'ordonne Votre Excellence dit Gaetano. D'abord, que vous m'allumiez une torche. Ah, oui, je comprends, reprit le patron. Pour chercher l'entrée de l'appartement enchanté. <laughs> Bien du plaisir, Excellence, si la chose vous amuse. Et je vais vous donner la torche demandée. Moi aussi, j'ai été possédé de l'idée qui vous tient, et je m'en suis passé la fantaisie trois ou quatre fois. Mais j'ai fini par y renoncer. Giovanni, ajouta-t-il, allume une torche et apporte-la à Son Excellence. Giovanni obéit. Franz prit la torche et entra dans le souterrain, suivi de Gaetano. Il reconnut la place où il s'était réveillé à son lit de bruyère encore tout froissé. Mais il eut beau promener sa torche sur toute la surface extérieure de la grotte, il ne vit rien, si ce n'est à des traces de fumée, que d'autres avant lui avaient déjà tenté inutilement la même investigation. Cependant, il ne laissa pas un pied de cette muraille granitique, impénétrable comme l'avenir, sans l'examiner. Il ne vit pas une gerçure qu'il n'y introduisit la lame de son couteau de chasse. Il ne remarqua pas un point saillant qu'il n'appuya dessus dans l'espoir qu'il céderait. Mais tout fut inutile. Et il perdit sans aucun résultat deux heures à cette recherche. Au bout de ce temps, il y renonça. Gaetano était triomphant. Quand Franz revint sur la plage, le yacht n'apparaissait plus que comme un petit point blanc à l'horizon. Il eut recours à sa lunette, mais même avec l'instrument, il était impossible de rien distinguer. Gaetano lui rappela qu'il était venu pour chasser des chèvres, ce qu'il avait complètement oublié. Il prit son fusil et se mit à parcourir l'île de l'air d'un homme qui accomplit un devoir plutôt qu'il ne prend un plaisir, et au bout d'un quart d'heure, il avait tué une chèvre et deux chevreaux. Mais ces chèvres, quoique sauvages et alertes comme des chamois, avaient une trop grande ressemblance avec nos chèvres domestiques, et Franz ne les regardait pas comme un gibier. Puis, des idées bien autrement puissantes préoccupaient son esprit. Depuis la veille, il était véritablement le héros d'un conte des mille et une nuits, et invinciblement il était ramené vers la grotte. Alors, malgré l'inutilité de sa première perquisition, il en recommença une seconde, après avoir dit à Gaetano de faire rôtir un des deux chevreaux. Cette seconde visite dura assez longtemps, car lorsqu'il revint, le chevreau était rôti et le déjeuner était prêt. Franz s'assit à l'endroit où la veille on était venu l'inviter à souper de la part de cet hôte mystérieux, et il aperçut encore, comme une mouette bercée au sommet d'une vague, le petit yacht qui continuait de s'avancer vers la Corse. Mais, dit-il à Gaetano, vous m'avez annoncé que le seigneur Simbad faisait voile pour Malaga, tandis qu'il me semble à moi qu'il se dirige directement vers Porto Vecchio. Ne vous rappelez-vous plus, reprit le patron, que parmi les gens de son équipage, je vous ai dit qu'il y avait pour le moment deux bandits corses C'est vrai. Et il va les jeter sur la côte dit Franz. Justement. Ah C'est un individu s'écria Gaetano, qui ne craint ni Dieu ni diable à ce qu'on dit, et qui se dérangera de cinquante lieues de sa route pour rendre service à un pauvre homme. « Mais ce genre de service pourrait bien le brouiller avec les autorités du pays où il exerce ce genre de philanthropie, » dit Franz. <laughs> « Ha Bien !» dit Gaetano en riant. « Qu'est-ce que ça lui fait à lui, les autorités Il s'en moque pas mal. On n'a qu'à essayer de le poursuivre. D'abord, son yacht n'est pas un navire. C'est un oiseau. Et il rendrait trois nœuds sur douze à une frégate. » Et puis, il n'a qu'à se jeter lui-même à la côte. Est-ce qu'il ne trouvera pas partout des amis Ce qu'il y avait de plus clair dans tout cela, c'est que le seigneur Simbad, l'hôte de France, avait l'honneur d'être en relation avec les contrebandiers et les bandits de toutes les côtes de la Méditerranée, ce qui ne laissait pas que d'établir pour lui une position assez étrange. Quant à Franz, rien ne le retenait plus à Monte Cristo. Il avait perdu tout espoir de trouver le secret de la grotte. Il se hâta donc de déjeuner en ordonnant à ses hommes de tenir leur barque prête pour le moment où il aurait fini. Une demi-heure après, il était à bord. Il jeta un dernier regard sur le yacht. Il était prêt à disparaître dans le golfe de Porto Vecchio. Il donna le signal du départ. Au moment où la barque se mettait en mouvement, le yacht disparaissait. Avec lui s'effaçait la dernière réalité de la nuit précédente. Aussi Souper, Simbad, haschich et Statu, tout commençait pour Franz à se fondre dans le même rêve. La barque marcha toute la journée et toute la nuit. Et le lendemain, quand le soleil se leva, c'était l'île de Monte Cristo qui avait disparu à son tour. Une fois que Franz eut touché la terre, il oublia, momentanément du moins, les événements qui venaient de se passer pour terminer ses affaires de plaisir et de politesse à Florence, et ne s'occupait que de rejoindre son compagnon qui l'attendait à Rome. Il partit donc. Et le samedi soir, il arriva à la place de la douane par la mal-poste. L'appartement, comme nous l'avons dit, était retenu d'avance. Il n'y avait donc plus qu'à rejoindre l'hôtel de Maître Pastrini, ce qui n'était pas chose très facile, car la foule encombrait les rues, et Rome était déjà en proie à cette rumeur sourde et fébrile qui précède les grands événements. Or, à Rome, il y a quatre grands événements par an. Le carnaval, la Semaine Sainte, la Fête Dieu et la Saint-Pierre. Tout le reste de l'année, la ville retombe dans sa morne apathie, état intermédiaire entre la vie et la mort, qui la rend semblable à une espèce de station entre ce monde et l'autre, station sublime. Halte pleine de poésie et de caractère que Franz avait déjà faite cinq ou six fois et qu'à chaque fois il avait trouvé plus merveilleuse et plus fantastique encore. Enfin, il traversa cette foule toujours plus grossissante et plus agitée et atteignit l'hôtel. Sur sa première demande, il lui fut répondu, avec cette impertinence particulière aux cochers de fiacre retenus et aux aubergistes au complet, qu'il n'y avait plus de place pour lui à l'hôtel de Londres. Alors, il envoya sa carte à maître Pastrini et se fit réclamer d'Albert de Morserf. Le moyen réussit et maître Pastrini accourut lui-même, s'excusant d'avoir fait attendre son Excellence, grondant ses garçons, prenant le bougeoir de la main du Cicerone, qui s'était déjà emparé du voyageur, et se préparait à le mener près d'Albert quand celui-ci vint à sa rencontre. L'appartement retenu se composait de deux petites chambres et d'un cabinet. Les deux chambres donnaient sur la rue, circonstance que Maître Pastrini fit valoir comme y ajoutant un mérite inappréciable. Le reste de l'étage était loué à un personnage fort riche que l'on croyait sicilien ou maltais. L'hôtelier ne put pas dire au juste à laquelle des deux nations appartenait ce voyageur. C'est fort bien, maître Pastellini, dit Franz, mais il nous faudrait tout de suite un souper quelconque pour ce soir, et une calèche pour demain et les jours suivants. Quant au souper, répondit l'aubergiste, vous allez être servi à l'instant même. Et quant à la calèche. Comment, quant à la calèche s'écria Albert. Un instant, un instant, ne, ne plaisantons pas, maître Pastrini. Il nous faut une calèche. Monsieur, dit l'aubergiste, on fera tout ce qu'on pourra pour vous en avoir une. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et quand aurons-nous la réponse demanda Franz. Demain matin répondit l'aubergiste. Que diable, dit Albert. On la payera plus cher, voyez tout. Vous savez ce que c'est, chez Drake ou Aaron, vingt-cinq francs pour les jours ordinaires et trente ou trente-cinq francs pour les dimanches et fêtes. Mettez cinq francs par jour de courtage, cela fera quarante, et n'en parlons plus. Ayez bien peur pour ces messieurs, même en offrant le double, ne puissent pas s'en procurer. Alors qu'on fasse mettre des chevaux à la mienne. Elle est un peu écornée par le voyage. Mais n'importe. On ne trouvera pas de chevaux. Albert regarda Franz en homme auquel on fait une réponse qui lui paraît incompréhensible. Comprenez-vous cela, Franz Pas de chevaux dit-il. Mais des chevaux de poste, ne pourrait-on pas en avoir ils sont tous doués depuis 15 jours et il ne reste maintenant que ceux absolument nécessaires au service. Que dites-vous de cela demanda Franz. Je dis que lorsqu'une chose passe mon intelligence, j'ai l'habitude de ne pas m'apesantir sur cette chose et de passer à une autre. Le souper est-il prêt, maître Pastrini Oui, excellence. Eh bien, soupons d'abord. Mais la calèche et les chevaux. Soyez tranquille, cher ami, ils viendront tout seuls. Il ne s'agira que d'y mettre le prix. Et Morserf, avec cette admirable philosophie qui ne croit rien impossible tant qu'elle sent sa bourse ronde ou son portefeuille garni, soupa, se coucha, s'endormit sur les deux oreilles. Et rêva qu'il courait le carnaval dans une calèche à six chevaux. le lendemain franz se réveilla le premier et aussitôt réveillé sonna le tintement de la clochette vibrait encore lorsque maître Pastrini entra en personne eh bien dit l'hôte triomphant et sans même attendre que franz l'interrogeât m'en doutais bien hier excellence quand je ne voudrais rien vous promettre vous vous y êtes pris trop tard. Il n'y a plus qu'une calèche à Rome. Pour les trois derniers jours, Santin. Oui, reprit Franz. C'est-à-dire pour ceux où elle est absolument nécessaire. Qu'y a-t-il demanda Albert en entrant. Pas de calèche Justement, mon cher ami, répondit Franz. Et vous avez deviné du premier coup. Eh bien, voilà une jolie ville que votre ville éternelle. C'est-à-dire, Excellence, reprit Maître Pastrini, qui désirait maintenir la capitale du monde chrétien dans une certaine dignité à l'égard de ses voyageurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Calais à partir de dimanche matin jusqu'à mardi soir. Bah si d'ici là vous en trouverez cinquante si vous voulez. Ah, c'est déjà quelque chose, dit Albert. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Euh, qui sait, d'ici à dimanche, ce qui peut arriver? Il arrivera dix à douze mille voyageurs, répondit Franz, lesquels rendront la difficulté plus grande encore. Mon ami, dit Morcerf, jouissons du moment et n'assombrissons pas l'avenir. Au moins, demanda Franz, nous pourrons avoir une fenêtre. Sur quoi? Sur la rue du cours, parbleu. Ah, si, bien sûr, une fenêtre, s'exclama maître Pastrini. Impossible, de toute impossibilité. Il en restait une au cinquième étage du palais d'Oria, et, et elle a été louée à un prince russe pour 25 ans par jour. Les deux jeunes gens se regardaient d'un air stupéfait. Eh bien, mon cher, dit Franz à Albert, savez-vous ce qu'il y a de mieux à faire c'est de nous en aller passer le carnaval à Venise. Au moins là, si nous ne trouvons pas de voiture, nous trouverons des gondoles. Ah, ma foi, non, s'écria Albert, j'ai décidé que je verrai le carnaval à Rome, et je l'y verrai fût-ce sur des échasses. Tiens, s'écria Franz, c'est une idée triomphante. Surtout pour éteindre les moccoletti. Nous nous déguiserons en polichinelles vampires ou en habitant des Landes, et nous aurons un succès fou. Leurs Excellences désirent-elles toujours une voiture jusqu'à dimanche parableu dit Albert. Est-ce que vous croyez que nous allons courir les rues de Rome à pied comme des clercs d'huissiers Il y avait mon d'exécuter les ordres de leurs Excellences, dit Maître Pastrini. « Seulement, je les préviens que la voiture leur coûtera six piastres par jour. »« Et moi, mon cher monsieur Pastrini, » dit Franz, « moi qui ne suis pas notre voisin le millionnaire, je vous préviens à mon tour qu'attendu que c'est la quatrième fois que je viens à Rome, je sais le prix des calèches. Jour ordinaire, dimanche et fête. Nous vous donnerons douze piastres pour aujourd'hui, demain et après-demain et vous aurez encore un fort joli bénéfice. Ah, cependant, Excellence, dit Maître Pastrini, essayant de se rebeller, allez mon cher hôte, allez, dit Franz, ou bien je vais moi-même faire mon prix avec votre affettatore, qui est le mien aussi. C'est un vieil ami à moi, qui m'a déjà pas mal volé d'argent dans sa vie, et qui, dans l'espérance de m'en voler encore, en passera par un prix moindre que celui que je vous offre. Vous perdrez donc la différence. Et ce sera votre faute. Ne prenez pas cette peine, Excellence, dit Maître Pastrini, avec ce sourire du spéculateur italien qui s'avoue vaincu. Je ferai de mon mieux, et j'espère que vous serez content. À merveille. Voilà ce qui s'appelle parler. Quand voulez-vous la voiture Dans. dans une heure dans une heure, elle sera à la porte. Une heure après, effectivement, la voiture attendait les deux jeunes gens. C'était un modeste fiacre que, vu la solennité de la circonstance, on avait élevé au rang de calèche. Mais, quelque médiocre apparence qu'il eût, les deux jeunes gens se fussent trouvés bien heureux d'avoir un pareil véhicule pour les trois derniers jours. Euh Excellence! cria le Cicerone en voyant Franz mettre le nez à la fenêtre. Faut-il faire approcher le carrosse du palais? Si habitué que Franz fut Franz à l'emphase italienne, son premier mouvement fut de regarder autour de lui, mais c'était bien à lui-même que ses paroles s'adressaient. Franz était l'excellence! Le carrosse, c'était le fiacre. Le palais, c'était l'hôtel de Londres. Tout le génie laudatif de la nation était dans cette seule phrase. Franz et Albert descendirent. Le carrosse s'approcha du palais. Leurs excellences allongèrent leurs jambes sur les banquettes. Le Cicerone sauta sur le siège de derrière. Où leurs Excellences veulent-elles qu'on les conduise Mais à Saint-Pierre d'abord, et au Colisée ensuite, dit Albert en véritable parisien. Mais Albert ne savait pas une chose c'est qu'il faut un jour pour voir Saint-Pierre, et un mois pour l'étudier. La journée se passa donc rien qu'à voir Saint-Pierre. Tout à coup, les deux amis s'aperçurent que le jour baissait franz tira sa montre il était quatre heures et demie on reprit aussitôt le chemin de l'hôtel à la porte franz donna l'ordre au cocher de se tenir prêt à huit heures il voulait faire voir à albert le colisée au clair de lune comme il lui avait fait voir le saint-pierre au grand jour Lorsqu'on fait voir à un ami une ville qu'on a déjà vue, on y met la même coquetterie qu'à montrer une femme dont on a été l'amant. En conséquence, Franz traça au cocher son itinéraire. Il devait sortir par la porte del Popolo, longer la muraille extérieure et rentrer par la porte San Giovanni. Ainsi, le Colisée leur apparaissait sans préparation aucune, et sans que le Capitole, le Forum, l'Arc de Septime Sévère, le Temple d'Antonin et Faustine et la Via Sacra eussent servi de degrés placés sur sa route pour le rapetisser. On se mit à table. Maître Pastrini avait promis à ses hôtes un festin excellent. Il leur donna un dîner passable. Il n'y avait rien à dire. À la fin du dîner, il entra lui-même. Franz crut d'abord que c'était pour recevoir ses compliments et s'apprêtait à les lui faire, lorsqu'au premier mot, il l'interrompit. Excellence, dit-il, je suis flatté par votre approbation, mais ce n'était pas pour cela que j'étais monté chez vous. Était-ce pour nous dire que vous aviez trouvé une voiture demanda Albert en allumant son cigare. Encore moins. Et même, Excellence, vous ferez bien de n'y plus penser et d'en prendre votre parti. À Rome, les choses se peuvent ou ne se peuvent pas. Et quand on vous a dit qu'elles ne se pouvaient pas, et, et, et fini. À Paris, c'est bien plus commode. Quand cela ne se peut pas, on paie le double. « Elle en a à l'instant même ce que l'on demande. »« Hé Et dire cela de tous les Français !» dit Maître Pastrini un peu piqué. « Ce qui fait que je ne comprends pas comment elle voyagent. Mais aussi, » dit Albert en poussant flegmatiquement sa fumée au plafond et en se renversant balancé sur les deux pieds de derrière de son fauteuil, « ce sont les fous et les niais comme nous qui voyagent. » Les gens sensés ne quittent pas leur hôtel de la rue du Helder, le boulevard de Gand et le café de Paris. Il va sans dire qu'Albert demeurait dans la rue susdite, faisait tous les jours sa promenade fashionable et dînait quotidiennement dans le seul café où l'on dîne, quand toutefois on est en bon terme avec les garçons. Maître Pastrini resta un instant silencieux. Il était évident qu'il méditait la réponse, qui sans doute ne lui paraissait pas parfaitement claire. Mais enfin, dit Franz à son tour, interrompant les réflexions géographiques de son hôte, vous étiez venu dans un but quelconque. Voulez-vous nous exposer l'objet de votre visite Ah, c'est juste, c'est juste. Le voici. Vous avez commandé la calèche pour 8 heures. Parfaitement. Vous avez l'intention de visiter le Colosseo C'est-à-dire le Colisée C'est exactement la même chose. Soit. Vous avez dit à votre cocher de sortir par la porte del Popolo, de faire le tour des murs et de rentrer par la porte Santo Giovanni. Ce sont mes propres paroles. Eh bien, cet itinéraire est impossible Impossible. Oh de moins fort dangereux, dangereux, et pourquoi? À cause du fameux Luigi Vampa. D'abord, mon cher hôte, qu'est-ce que le fameux Luigi Vampa? Demanda Albert. Il est peut-être très fameux à Rome, mais je vous préviens qu'il est ignoré à Paris. Comment? Vous ne le connaissez pas? Je n'ai pas cet honneur. « Vous n'avez jamais entendu prononcer son nom ?»« Jamais. »« Eh bien, c'est un bandit auprès duquel les Deseraris et les Gasparones sont des espèces d'enfants de corps. »« Attention, Albert. »« Attention, Albert, s'écria Franz. Voilà donc enfin un bandit. »« Je vous préviens, cher hôte, que je ne croirai pas un mot de ce que vous allez en dire. » Ce point arrêté entre nous, parlez tant que vous voudrez. Je vous écoute. Il y avait une fois. Eh bien, allez donc Maître Pastalini se retourna du côté de Franz, qui lui paraissait le plus raisonnable des deux jeunes gens. Il faut rendre justice au brave homme. Il avait logé bien des Français dans sa vie, mais jamais il n'avait compris certains côtés de leur esprit. « Excellence, dit-il fort gravement, s'adressant, comme nous l'avons dit, à France, si vous me regardez comme un menteur, il est inutile que je vous dise ce que je voulais vous dire. Et j'avoue cependant vous affirmer que c'était dans l'intérêt de vos excellences. » Albert ne dit pas que vous êtes un menteur, mon cher monsieur Pastellini, reprit Franz. Il dit qu'il ne vous croira pas. Voilà tout. Mais moi, je vous croirai. Soyez tranquille. Parlez donc. Et cependant, Excellence, vous comprendrez bien que si l'on met en doute ma véracité, mon cher, reprit Franz, vous êtes plus susceptible que Cassandre, qui, cependant, était prophétesse et que personne n'écoutait tandis que vous, au moins, vous êtes sûr de la moitié de votre auditoire. Voyons, asseyez-vous et dites-nous ce que c'est que Monsieur Vampa. Je vous l'ai dit, Excellence, c'est un bandit, comme nous n'en avons encore pas vous depuis le fameux Mastrilia. Eh bien, quel rapport a ce bandit avec l'ordre que j'ai donné à mon cocher de sortir par la porte del Popolo et de rentrer par la porte San Giovanni. Il y a, répondit maître Pastrini, que vous pourrez bien sortir par l'une, mais je doute que vous rentriez par l'autre. Pourquoi cela demanda Franz. Parce que, la nuit venue, on n'est plus en sécurité à cinquante pas des portes. D'honneur s'écria Albert. Monsieur le Vicomte, dit Maître Pastrini, toujours blessé jusqu'au fond du cœur du doute émis par Albert sur sa véracité. Ce que je dis n'est pas pour vous. C'est pour votre compagnon de voyage, qui connaît Rome, Louis, et qui sait qu'on ne badine pas avec ces choses-là. Mon cher, dit Albert s'adressant à Franz, voici une aventure admirable toute trouvée. Nous bourrons notre calèche de pistolets, de tromblons et de fusils à deux coups. Luigi Vampa vient pour nous arrêter. Nous l'arrêtons. Nous le ramenons à Rome. Nous en faisons hommage à Sa Sainteté. Qui nous demande ce qu'elle peut faire pour reconnaître un si grand service. Alors nous réclamons purement et simplement un carrosse et deux chevaux de ses écuries. Et nous voyons le carnaval en voiture. À sans compter que probablement le peuple romain, reconnaissant, nous couronne au Capitole et nous proclame, comme Curtius et Horatius Coclès, les sauveurs de la patrie. Pendant qu'Albert déduisait cette proposition, Maître Pastrini faisait une figure qu'on essayerait vainement de décrire. Et d'abord, demanda Franz à Albert, où prendrez-vous ces pistolets, ces tromblons, ces fusils à deux coups dont vous voulez farcir votre voiture Le fait est que ce ne sera pas dans mon arsenal, dit-il, car à la terracine on m'a pris jusqu'à mon couteau poignard. Et à vous À moi on en a fait autant à Aquapendante. Ah ça, mon cher hôte Dit Albert en allumant son second cigare au reste du premier. Savez-vous que c'est très commode pour les voleurs de cette mesure-là Et qu'elle m'a tout l'air d'avoir été prise de compte à demi avec eux Sans doute, maître Pastrini trouva la plaisanterie compromettante, car il n'y répondit qu'à moitié, et encore, en adressant la parole à Franz, comme au seul être raisonnable avec lequel il pût convenablement s'entendre. Son Excellence sait que ce n'est pas l'habitude de se défendre quand on est attaqué par des bandits. Comment? Comment s'écria Albert, dont le courage se révoltait à l'idée de se laisser dévaliser sans rien dire. Comment ce n'est pas l'habitude? Euh, non, car toute défense serait inutile. Que voulez-vous faire contre une douzaine de bandits qui sortent d'un fossé, d'une masure ou d'une aqueduc et qui vous couchent un you tous à la fois Et sacrebleu, je veux me faire tuer s'écria Albert. L'aubergiste se tourna vers Franz d'un air qui voulait dire Décidément, excellence, votre camarade est fou Mon cher Albert, reprit Franz, votre réponse est sublime. Et vaut le qu'il mourut du vieux Corneille. Seulement, quand Horace répondait cela, il s'agissait du salut de Rome, et la chose en valait la peine. Mais quant à nous, remarquez qu'il s'agit simplement d'un caprice à satisfaire, et qu'il serait ridicule pour un caprice de risquer notre vie. Ah, perbacco s'écria maître Pastrini à la bonne heure voilà ce qui s'appelle parler albert se versa un verre de lacrymacristi christi qu'il but à petits coups en grommelant des paroles inintelligibles eh bien maître pastellini reprit franz maintenant que voilà mon compagnon calmé et que vous avez pu apprécier mes dispositions pacifiques maintenant voyons Qu'est-ce que le Seigneur Luigi Vampa Est-il berger ou patricien Est-il jeune ou vieux Est-il petit ou grand Dépeignez-le-nous afin que, si nous le rencontrions par hasard dans le monde, comme Jean Bogart ou Lara, nous puissions au moins le reconnaître. Vous ne pouvez pas mieux vous adresser qu'à moi, Excellence. Car pour avoir des détails exacts, je les connais, car j'ai connu Luigi Vampa tout enfant. Et un jour que j'étais tombé moi-même entre ses mains en allant de Ferentino à Alatri, il se souvint, heureusement pour moi, de notre ancienne connaissance. Il me laissa aller. Non seulement sans, sans seulement me faire payer de rançon, mais encore après m'avoir fait cadeau d'une fort belle montre et m'avoir raconté son histoire. Voyons la montre, dit Albert. Maître Pastrini tira de son gousset une magnifique breguet portant le nom de son auteur, le timbre de Paris et une couronne de comte. Voilà, dit-il. Peste, fit Albert. Je vous en fais mon compliment. J'ai la pareille à peu près. Il tira sa montre de la poche de son gilet et elle m'a coûté trois mille francs. Voyons l'histoire, dit Franz à son tour en tirant un fauteuil et en faisant signe à maître Pastrini de s'asseoir. Leurs excellences permettent, dit l'hôte. Par Dieu, dit Albert, vous n'êtes pas prédicateur, mon cher, pour parler debout. L'hôtelier s'assit, après avoir fait à chacun de ses futurs auditeurs un salut respectueux, lequel avait pour but d'indiquer qu'il était prêt à leur donner sur Luigi Vampa les renseignements qu'il demandait. Voilà, chers amis, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour cette reprise, ce début du tome 2 euh, du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. La suite, ce sera jeudi prochain à 19h. Euh, dans le jeudi soir, c'est jeudi histoire. Juste avant. Euh, attendez, est-ce est que je, je, je promue bavard, ou est-ce que non Non, 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 je ne promue pas. Je ne promets pas, euh, ben ce sera jeudi soir, c'est jeudi soir, on se retrouvera donc jeudi à 19h pour la suite euh, du conte de Monte-Cristo deuxième tome avec la fameuse histoire euh, que nous... Promet Maître Pastrini sur la fin de cette première euh, session. Je vous retrouve immédiatement dans le clavardage. Est-ce que vous avez passé un bon moment Et oh, je vois, je vois euh, Nespadon qui s'est réabonné avec Prime. Oh là là, Nespadon qui est un Prime sub. Merci beaucoup, Nespadon. Et qui nous dit Je suis un mécène des arts et des lettres, c'est ça. <laughs> Salut à toi, jeune mécène. Bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a Le décor est planté, vivement jeudi prochain, ça fait du bien de retrouver ces moments. Oui, à moi aussi, je suis très content, bah déjà de vous avoir retrouvé vous et puis de retrouver ces live lectures euh, que j'étais très content de poser un petit moment, je vous l'avoue, j'avais besoin d'une pause à ce niveau-là, mais je suis très 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 content de les reprendre. D'autant que cette histoire que j'avais euh, attaquée avec appréhension finalement me plaît. Et euh, à vous aussi, puisque je me rappelle encore des discussions qu'on avait à la dernière session avant la pause, où c'était ah, ah bon, c'est déjà le quart Alors que ça faisait trois mois qu'on était dessus, euh, ce qui fait que clairement le conte de Monte-Cristo pour l'instant est la plus longue des histoires que nous ayons abordées dans le cadre des live lectures. Le décor est planté et bientôt ce sera Danglars, Fernand et De Villefort. Très certainement, c'est très vraisemblable. Euh, pour l'instant, je prends les paris. Euh, je m'étais dit que peut-être, peut-être, peut-être euh, qu'il y en aura un qui sera puni par tome jusqu'à la fin. J'ai un doute. Je suis prêt à prendre un deuxième pari maintenant, qui est qu'on va avoir un deuxième tome de développement. Et ensuite euh, un premier châtiment au tome 3 et euh, la fin des règlements de compte au 4. Mais ça, ça, c'est euh, des prévisions au nez et aux doigts mouillés. Euh, selon ce que je suppose, je n'ai pas encore lu le compte de Monte Cristo jusqu'à la fin. Je vous rappelle que je découvre l'histoire au fur et à mesure, en même temps que vous, et c'est un vrai. Euh, comment ça va de votre côté euh, Je vois qu'il est 22h20 bientôt, donc on est effectivement sur une session plus courte que d'ordinaire, je n'ai pas menti. Euh, je pense qu'on va rester encore un peu ensemble jusqu'à euh, jusqu 22h30 et puis ensuite on se dira déjà au revoir. Mais j'ai prévenu, j'ai averti cette fois-ci session un peu courte, euh, on refera des sessions plus longues à partir de la semaine prochaine. Euh... Voilà, voilà. Euh, super lecture, j'adore ce passage du livre et toute l'histoire avec Vampa, qui est une super histoire, je l'ai déjà lu. J'ai hésité en fait à vous lire l'histoire de Vampa euh, en entier juste après ça, mais l'histoire de Vampa fait quasiment 40 pages dans le bouquin, donc ça a fait euh, non, ça c'est un live entier. <laughs> c'est pas, euh, pas juste une partie comme ça. Donc on fera ça et on fera bien. C'est une très bonne histoire qu'on aura la semaine prochaine, je peux déjà. Vous le garantir. Euh, pif paf pouf. J'essaie de repenser à des choses que je ne vous aurais éventuellement pas encore dites, euh, que j'aurais oublié de resituer. Non, je vois pas tellement. Je vois pas tellement. Est-ce que vous avez encore des choses à dire dans le clavardage ou est-ce que c'est c'est la fin de soirée Vous avez un petit coup de mou Vous êtes peut-être encore dans l'histoire ah Le sursaut, merci Ravlin. Ah la vache Le sursaut terrible de l'inconstance euh, qui me concerne. Bien, bien, bien. Quelle sera la lecture de samedi La lecture de samedi, euh, on va terminer, je pense, les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, qu'on avait commencé avant les vacances d'été. Euh, J'aimerais bien les achever, parce qu'après, je sais déjà ce que je voudrais vous lire, mais, mais euh, je n'ai pas envie de laisser un bouquin qu'on a quasiment fini. Donc je souhaite qu'on le finisse euh, complètement et qu'après... On trouve d'autres choses à se mettre sous la dent. Euh, je pense que la suite, ce sera des nouvelles fantastiques. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Euh, je ne suis pas dans le bon dossier. Vite Trouver des choses Alors, ça, je ne peux pas vous en parler parce que ça concerne une prochaine émission. Euh... Là. Création, radio, club des songes, Twitch, euh, Café des fables. Voilà. 1, un, 1, un, 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 Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Euh, Alphonse, Daudet euh, Alphonse Daudet, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. J'ai plus le PDF d'Alphonse Daudet Si, quand même. Pas déconner, je veux pas le renommer. Je veux que tu l'ouvres. Euh, euh, les trois mêmes espèces de Noël, on avait lu sauterelle. C'est ça, euh, on avait terminé avec l'élixir du révérend père gaucher. Et il nous reste deux nouvelles. Qui font une vingtaine de pages Pas tout à fait une vingtaine de pages Ouais, donc on fera ça. Euh, on terminera les lettres de mon moulin ce samedi avec peut-être un ou deux comptes à la fin. Voilà, voilà. Euh, N'est-ce pas donc qui dit je suis KO, je me lève tôt demain matin pour travailler donc je file vite, mais ravi que les streams reprennent. Et eh ben va te coucher, bonne nuit N'est-ce pas donc merci d'avoir été avec nous ce soir, merci encore une fois pour l'abonnement. Et puis euh, au plaisir de te retrouver samedi matin si tu viens à 9h pour le Café des Fables. Et puis sinon, euh, tu, tu connais les rendez-vous habituels le lundi à 20h pour les live jeux de rôle, sauf quand c'est le maître du donjon, là c'est à 19h pour que vous puissiez vous écrire euh, le scénario. Et puis ensuite jeudi prochain à 19h. Pour le live lecture. Raveline, tout à l'heure, tu as dit que la campagne JDA serait sur. J'ai rien dit du tout. Je, ce sont. Vos. Euh, vos prétentions péremptoires, mademoiselle Lynn, ne me concernent pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Euh, donc, concrètement. Franchement, je ne sais plus si j'avais annoncé le titre du jeu de rôle ou pas. Dans le doute, j'en parle plus. Euh, pour la simple et bonne raison que quand je suis en train de travailler sur un projet, j'aime pas trop en parler. Euh, en tout cas, pas le nommer, parce que s'il y a un problème quel qu'il soit, ça crée des attentes. Et après, c'est dommage. Je vais vous donner un exemple. Euh, cet été, je voulais qu'il y ait une campagne de Deadlands. Je l'ai annoncée. Et j'aurais pas dû, parce qu'elle ne s'est pas faite. Euh, et c'était même pas de la mauvaise volonté, c'était juste qu'au niveau des horaires des joueurs, subitement, c'était juste plus possible. Euh, et puis c'était pas possible pour moi non plus parce que quand ça aurait pu l'être, euh, ça aurait pu tomber en partie sur mes vacances donc il était hors de question que ça se fasse. Bref, 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 bref. Euh... Je l'ai dit, c'est enregistré. Bon bah si je l'ai dit, euh, j'ai dit quelque chose. Ouais. Si je l'ai dit, je l'ai dit, mais bah, enfin qu'est-ce que tu que <laughs> Si je m'avance et que je recule, comment veux-tu Au bout d'un moment. Donc voilà, mais. Ce que je vous dis pour, là pour la peine est vrai, c'est que les... quand je commence à travailler sur les projets, j'aime pas trop donner des détails euh, parce qu'il suffit que comme pour patiente, comme, comme pour euh... purée, comme pour Deadlands, ça se fait pas au dernier moment et euh, ben ça crée des attentes et ça les déçoit. Donc j'essaie de vraiment ne parler des choses que quand je suis certain qu'elles sortiront. Je l'avais annoncé avant les vacances aussi. Bon. Vous avez sans doute raison. Je vous fais confiance. Je vous avoue que euh, pendant les vacances, je, je n'ai pas tellement regardé les rediffusions des anciens lives. Et voilà. J'ai profité, de profité de voir des vrais gens et j'arrive plus à parler. C'est une. Ta. Ta. Stop. Euh, je me rappelle avoir fait un synopsis de ce jeu. Bah, honnêtement. J'en reparlerai à l'occasion, mais Patient 13 est un super jeu. Euh, mais ça, ce sera, il sera temps d'en parler quand, euh, quand, sera... quand, ce sera le lieu. Ouais, alors, chers amis, quand je commence à avoir la la, la diction qui se casse la gueule au milieu d'une phrase, c'est qu'il est temps de dire tranquillement au revoir. Un, 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 un. Euh, non mais t'en as parlé au début de live et après dans une autre phrase, t'as commencé à le dire, mais tu t'es corrigé donc ça m'a intrigué. Eh Que, 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 que veux-tu que je te dise Au bout d'un moment. <laughs> Bien. En tout cas... Sur ces bonnes paroles, ça va être le moment déjà de se dire au revoir. Merci d'avoir été là, chers amis, euh, pour ce live. -là. What? What? J'étais parti pour aller dormir et finalement non, non. Ravlin a sorti sa bourse pleine de points, pleine d'idées. Elle a fait. Tiens, prends 50 000 points. Donne-moi mon livre. Est-ce que j'ai pas un, un son là qui traîne J'ai un son qui traîne Non mais je veux pas régler les micros. Donne-moi des sons, donne-moi des sons. Euh oh, la vache la reprise. La reprise, j'ai mis la difficulté de la reprise. Oh, je cours Je trouve plus mes bruitages. À l'aide Oh la vache, bref, mademoiselle Lynn. Je vous ai compris. Vous aurez votre belle reliure. Ce sera largement mérité. Donc, je rappelle pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Euh, quand vous collectionnez suffisamment d'idées, vous pouvez réclamer dans les récompenses les plus chères euh, la volonté divine qui vous permet d'imposer un livre de votre choix pour le prochain live lecture. Mais il y a aussi la belle reliure euh, qui consiste purement et simplement à ce que je vous trouve une jolie version du livre lu en cours de live lecture. Et, 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 et une fois que je l'ai fait, je mets un petit mot dedans à votre attention pour vous dire merci et je vous l'envoie directement chez vous. C'est donc le cas euh, de Mademoiselle Lynn et accessoirement, Monsieur ben, Zou, vous euh, en avait déjà profité. Pour le compte de Monte Cristo, comme c'est une histoire qui est assez longue, je me permets d'attendre un peu de savoir combien de belles reliures je dois trouver et j'enverrai tout, je pense, au dernier moment. Voilà. Oh, et bonsoir Freebox Comment vas-tu Salutations, voyageurs, je passais par là et j'ai trouvé un live au milieu de cette contrée désolée appelée Twitch. Et web ouais. Oui et en plus tu arrives euh, Freebox dans un enfin dans, dans un live de la De 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 l'éphémérité De, de... de l'éphémé... Mince comment est-ce qu'on dit De, 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 de l'instant euh, Attendez Trouvons des mots avec l'aube des songes euh, un, un, euh, de l'éphémère et de, de l'éphémère, c'est comme ça. Il y a point de, il a point de point. Il y a point de point. Y a point, de point. Il a point de point. Tant pis. Eh bien, un live du bug de l'aube... J'essaye de trouver des mots. J'essaye de trouver le mot juste. L'éphémère venait, mais le, 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 le mot relatif qui signifie de l'éphémère, je pensais qu'il existait, mais je n'ai pas trouvé. Et ça me... ça me frustre parce que je suis persuadé que ça existe. Après, peut-être me trompez-je. Bien, ça va Freebox, c'est la semaine de la reprise, comme tu peux, hein, peux l'apercevoir. On a fait un premier live jeu de rôle ce lundi. D'ailleurs, si, euh, vu qu'on va bientôt achever le live, si tu veux, tu peux directement aller le retrouver, puisque la rediffusion est disponible aujourd'hui, ce soir, et déjà maintenant euh, sur YouTube. Je vais mettre le lien euh, immédiatement dans le clavardage. Euh, hop. On va retrouver ça. Copier l'adresse du lien. Voilà. Non. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Au secours Jeanne Quelle horreur. Allez hop. Voilà. Celui-là. Ah bah il a... Ça valait bien la peine de chercher la notification. <laughs> Aidez-moi! Bon. Ah, mais d'ailleurs, j'en profite. Et Freebox, et d'ailleurs, pour les, pour les autres gens qui sont, qui sont peut-être arrivés pendant ce temps-là, savez-vous qu'il existe maintenant une chaîne euh, Odyssée de l'Aube des songes, une scène de secours, que je suis en train de remplir au fur et à mesure et qui sera prête définitivement d'ici à janvier, mais pour lequel je fais déjà un peu de pub, puisqu'il y a déjà. Euh, une partie du contenu qui est disponible, notamment les formats montés, puisqu'ils sont copiés depuis les sorties YouTube. Euh, je n'arrive pas encore à faire ça avec les directs parce que les vidéos sont trop longues. Je dois les uploader à la main. Euh, mais ça se fait déjà. Euh, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. C'est dont jamais ce qui peut se passer. Ça sert toujours de se retrouver sur Odyssey Zoca. Une scène de secours. Oui, Raveline J'ai joué toute l'après-midi hier les mystères de Moustachio le Magnifique. C'était épuisant. C'était génial, mais c'était épuisant. D'ailleurs, si vous voulez voir les mystères de Moustachio le Magnifique, nous jouons ce samedi, euh, après-midi, dans la guinguette du cabaret Le Samoal à Scarbec. Euh, C'est à l'avenue Alphonse. Alphonse Max, que je dise pas de bêtises. Avenue Émile Max, 153. N'hésitez pas à venir euh, nombreux, puisque nous jouerons euh, à de nombreuses reprises. Il y aura donc moyen de faire un tournus. L'ambiance est plutôt sympa. On a déjà joué là-bas euh, juste avant mes vacances. Ça va être un plaisir d'y retourner. D'autant qu'on a été très bien accueillis, tant par le public que par l'organisation. Euh, donc n'hésitez pas à la guinguette du cabaret Le Samuel, avenue émile Max 153, ce samedi après-midi, euh, à Bruxelles, donc, pour aller voir les mystères de Moustachio le Magnifique, un petit spectacle de rue d'une vingtaine de minutes dans lequel je euh, joue. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, bah, il va être temps globalement de faire de la promotion euh, pour la suite. Euh, puisque maintenant, ce live-ci arrive au bout. Euh, tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à t'entêter. » Oui, sans doute. C'est déjà dans quoi ça, Raveline Ça me rappelle, on dirait un peu du Bobby La Pointe. On dirait du Bobby La Pointe où. Euh... Euh, T'as quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Rong Rakatika Tong de Soviet Suprême. C'est un virlangue, d'accord. Mais ce pu ma foi, tant pis. Bien, chers amis, avant que euh, Raveline m'envoie un virlangue de l'enfer et que je me casse la diction dessus, merci encore pour euh, votre présence dans ce live de la reprise euh, sur le compte de Monte Cristo. La suite du programme, je vous l'ai dit, samedi en vrai, avenue Emile Max 153. Euh... Dans la guinguette du cabaret de Samoil pour le spectacle Les Mystères de Moustachio le Magnifique. En direct sur Twitch, ce sera samedi matin à 9h pour le Café des Fables avec la fin des nouvelles euh, des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Et puis ensuite, lundi à 20h pour Paranoia à 20h avec Livia Cazou et Alexis Sans S. Et la suite du conte de Monte Cristo jeudi prochain à 19h. Sur ce, des bisous à tous, prenez soin de vous, je vous quitte. Ah, il faut que je récupère ma musique, sinon ça ne va pas le faire. Youp, je l'ai. Des bisous à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires Révèle la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Ces six chauds chocolats-ci sont-ils aussi chauds quand ces six chocolats-là font leur chaud Et pan. Allez, je vais me coucher, des bisous.